Bonjour, il s'agit dans cette vidéo de corriger des méthodes de cours de trigonométrie, à savoir des conversions des degrés en radians et inversement. On nous propose ce tableau de conversion où on nous demande de calculer les nombres x, y et z dans ce tableau qui convertit des degrés en radians. Pour ce faire, il n'est pas inutile de rajouter une colonne à votre tableau. Et si vous avez compris, vous devez savoir, d'après le cours, que 180 degrés, à savoir un demi-tour, correspond à pi radians. En effet, un demi-tour, 280 degrés, correspond à pi radian sur le cercle trigonométrique. C'est la base que vous devez avoir. À partir de cette valeur, il suffit de faire un produit en croix pour déterminer chacune des trois valeurs correspondantes, puisque les valeurs sont proportionnelles. X va donc être égal à 35 pi divisé par 180, ce qui fait 7/36 de pi. Y, quant à lui, est égal à 180 fois pi sur 5 divisé par pi, ce qui est égal à 185e, soit 36. L'angle de pi sur 5 radians est donc égal à 36 degrés. Et enfin, z est égal à 150 pi. Divisé par 180, ce qui fait 5/6 de pi. Avec cette méthode, il est donc très simple de convertir les degrés en radians et inversement, mais fixez-vous un certain nombre d'angles et de valeurs remarquables, à savoir pi radian vaut 180 degrés, pi sur 2 vaut 90 degrés, pi sur 4 en vaut 45, pi sur 3 en vaut 60. Ces valeurs-là sont à connaître par cœur. Bon courage, retrouvez la suite sur maitguyon.fr. Bon courage.